Bonjour à tous et bonjour à tous mes abonnés. Bienvenue sur CK Tito Plus. Ça fait longtemps que je ne publie plus les vidéos, mais aujourd'hui je vous amène encore une très bonne opportunité, surtout pour les débutants en développement de téléphone qui tentent encore à développer leur téléphone ou le téléphone de client. Aujourd'hui, c'est une belle opportunité de profiter et suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre cette méthode et qui travaille et qui fonctionne aussi plus facile simplement avec son PC. Alors cette procédure consistera à déverrouiller ou à flasher un téléphone du type ITEL 5626. Alors ce téléphone 5626, c'est du type MTK, donc le téléphone est du type MTK, le téléphone est là, le modèle est là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne, je vous demande de vous abonner pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos que nous aurons à publier chaque semaine, parce que notre rêve est de publier au moins chaque semaine une vidéo sur le développement ou d'autres technologies de l'informatique. Merci, à tout à l'heure, on se dirige dans mon écran. Alors, pour déverrouiller ce type de téléphone, vous devez télécharger d'abord son firmware, télécharger aussi le programme de flashage, appelé autrement SPD ou programme de tool. Télécharger aussi les drivers, c'est très important. Alors, cela doit vous aider tout simplement à avoir ces outils très importants qui vont vous permettre à développer ou à flasher votre téléphone facilement sans inquiétude. Alors, dans la description de cette vidéo, je vais laisser le fichier, le driver ainsi que le programme ou le flash tool qui doit vous aider à flasher le téléphone facilement au lieu d'aller le chercher ailleurs. Je vais laisser les liens dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, je disais, j'ai déjà téléchargé le driver ainsi que le programme Tools, y compris le firmware de ces logiciels. Le firmware est là. Alors, je vais vous laisser aussi les liens dans la description. Vous aurez à trouver dans la description le firmware pour ce téléphone. Vous aurez aussi à trouver les drivers, y compris le flash tools. Donc ça doit vous aider à déverrouiller ou à flasher ce téléphone facilement. Ok, on se dirige à notre méthode. Alors, pour cela, après avoir s'assuré que vous avez installé les drivers dans votre machine, veuillez ouvrir maintenant votre logiciel. Il y en a ici dans mon dossier téléchargement. J'en ai déjà téléchargé. Il y en a ici. Upgrade. Upgrade. Tool R19.0.00. C'est la version que j'ai utilisée. Veuillez d'abord l'ouvrir. Après avoir ouvert cela, vous partez aux paramètres. C'est pour ajouter les firmware. Les firmware sort déjà là dans l'explorateur Windows. Après avoir ouvert l'explorateur Windows pour sélectionner les fichiers, les sélectionner et cliquer sur ouvrir. Après avoir cliqué sur ouvrir, le fichier doit apparaître au-dessus de votre programme. Après, vous allez cliquer sur le bouton Start. Sur le bouton Start et puis brancher votre câble USB. Après avoir branché votre câble USB, prenez la pile, mettez en place, appuyez sur les deux touches. Les deux touches vont vous permettre à faire reconnaître le téléphone dans le mode boot. Donc, dans le système d'exploitation de ce téléphone, ces deux touches vont entrer pour vous faire apparaître le BIOS de ce téléphone, bien évidemment. Et puis, vous appuyez le dé à la fois et vous branchez votre câble USB. Et directement, mon téléphone a été reconnu par les logiciels. Et c'est tout. Les logiciels doivent commencer à dire pour flasher mon téléphone. Je vais attendre jusqu'à 3 ou 4 minutes, jusqu'à ce que le téléphone sera bien évidemment flashé sans inquiétude.
on attend la procédure. Pendant que la procédure se fait, vous devez toujours tirer attention au câble. Je vois déjà, c'est écrit PASD. Ça veut dire que mon téléphone a été déjà bien flashé avec succès. Je vais l'ouvrir pour voir si réellement le téléphone a été bien flashé. Si c'est, ça vient d'être flashé, il faut enlever d'abord la pile et redémarrer le téléphone comme il faut. Et mon téléphone s'allume. Parce que auparavant le mot de passe était et j'en avais pas accédé à ce téléphone et le téléphone s'allume sans problème. Maintenant, merci à vous tous. Bye.